Lecture du livre des Nombres, chapitre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et prends d'eux une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges de la part de tous leurs princes, selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. » car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, « Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion. » afin que tu fasses cesser devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. » Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, « Voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer ?» Lecture du livre des Nombres, chapitre 18. L'Éternel dit à Aaron, « Toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la tente. Mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Ils te seront attachés, et ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation pour tout le service de la tente. Aucun étranger n'approchera de vous. Vous observerez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Voici, j'ai pris vos frères les Lévites du milieu des enfants d'Israël. Donnez à l'Éternel, ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est en dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. L'Éternel dit à Aaron, « Voici, de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne, à toi et à tes fils, comme droit d'onction, par une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. » Toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront.
ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Tout mâle en mangera. Vous les regarderez comme saintes. Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation et en les agitant de côté et d'autre, je te les donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en moût et en blé, les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement, tu feras racheter le premier-né de l'homme, et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Tu les feras racheter dès l'âge d'un mois, d'après ton estimation, au prix de 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Mais tu ne feras point racheter le premier-né du bœuf, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chèvre. Ce sont des choses saintes. Tu répandras leur sang sur l'autel et tu brûleras leur graisse. Ce sera un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Leur chair sera pour toi comme la poitrine qu'on agite de côté et d'autre, et comme l'épaule droite. Je te donne, à toi et à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité avec toi. L'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation, et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, « Lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché,
Quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël, et vous ne mourrez point. Lecture du livre des Nombres, chapitre 19. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit: Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite, en disant: Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Vous la remettrez là au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera sept fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur, et son impureté est encore sur lui. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente, et quiconque se trouvera dans la tente, sera impur pendant 7 jours. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre, sera impur pendant 7 jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée, et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau. Puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur, le 3e jour et le 7e jour, et il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas, sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une loi perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Lecture du livre des Nombres, chapitre 20. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès.
c'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel ? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, pour que nous y mourions, nous et notre bétail ? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu ? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Meriba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, « Ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Édom lui dit, « Tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. » Les enfants d'Israël lui dirent, « Nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. » Il répondit, « Tu ne passeras pas. » Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Ainsi Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire. Et Israël se détourna de lui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne de Hor. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron vers la montagne de Hor sur la frontière du pays d'Édom, « Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Meriba. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. » Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée.
Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Lecture du livre des Nombres, chapitre 21. Le roi d'Arad, cananéen qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ?»« Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et ils campèrent à Ijé-Abarim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là, ils partirent et ils campèrent dans la vallée de Zéred. De là, ils partirent et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon qui coule dans le désert, en sortant du territoire des Amoréens. Car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, « Vaeb en Sufa » et les torrents de l'Arnon et le cours des torrents qui s'étend du côté d'Ar et touche à la frontière de Moab. De là, ils allèrent à Béer. C'est ce Béer où l'Éternel dit à Moïse, « Rassemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. » Alors Israël chanta ce cantique, « Monte, puis, chantez en son honneur. Puis que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé avec le sceptre, avec leur bâton. Du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Naaliel, de Naaliel à Bamoth, de Bamoth à la vallée qui est dans le territoire de Moab, au sommet de Pisga, en regard du désert. Israël envoya des messagers à Sihon, roi des Amoréens, pour lui dire, « Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Sihon n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jahatz et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'à Jabbok, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon.
car la frontière des enfants d'Ammon était fortifiée. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Hesbon et dans toutes les villes de son ressort. Car Hesbon était la ville de Sihon, roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au précédent roi de Moab et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent « Venez à Hesbon, que la ville de Sihon soit rebâtie et fortifiée. » Car il est sorti un feu de Hesbon, une flamme de la ville de Sihon. Elle a dévoré Ar-Moab, les habitants des hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab! Tu es perdu, peuple de Kémosh. Il a fait de ses fils des fuyards, et il a livré ses fils captifs à Sihon, roi des Amoréens. Nous avons lancé sur eux nos traits. De Hesbon à Dibon, tout est détruit. Nous avons étendu nos ravages jusqu'à Nophak, jusqu'à Medeba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Jaézer, et ils prirent les villes de son ressort, et chassèrent les Amoréens qui y étaient. Ils changèrent ensuite de direction, et montèrent par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Édréhi. L'Éternel dit à Moïse, « Ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et son peuple, et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. » Et ils le bâtirent, lui et ses fils, et tout son peuple, sans en laisser échapper un seul. Et ils s'emparèrent de son pays. Lecture du livre des Nombres, chapitre 22. Les enfants d'Israël partirent, et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin, et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays.
car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et un ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois ? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà trois fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait, et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière.
Balak dit à Balaam, « N'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur ?» Balaam dit à Balak, « Voici, je suis venu vers toi. Maintenant me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit ? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Balaam alla avec Balak, et ils arrivèrent à Kirjath-Hutzot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis, et il en envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth-Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Lecture du livre des Nombres, chapitre 23. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici sept autels, et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. » Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, « J'ai dressé sept autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. » L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, « Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. » Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, « Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit ? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. » Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait ? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu le bénis. » Il répondit et dit, « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche ? » Balak lui dit, « Viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. » Il le mena au champ de Tsophim, sur le sommet du Pisga. Il bâtit sept autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi ici près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. » L'Éternel vint au-devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, « Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. » Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, « Qu'est-ce que l'Éternel a dit ?» Balaam prononça son oracle et dit, « Lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi.
l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. Balak mena Balaam sur le sommet du Péor en regard du désert. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Lecture du livre des Nombres, chapitre 24. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point, comme les autres fois, à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël campé selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui, il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, « C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant !» « Va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. » Balaam répondit à Balak, « Hé, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. » Je répéterai ce que dira l'Éternel, et maintenant voici je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant.
je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit, « Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. » Balaam vit les Kéniens. Il prononça son oracle et dit, « Ta demeure est solide, et ton nid posé sur le roc. Mais le Kénien sera chassé quand l'Assyrien t'emmènera captif. » Balaam prononça son oracle et dit, « Hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi ? Mais des navires viendront de Kittim, ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu, et lui aussi sera détruit. » Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Lecture du livre des Nombres, chapitre 25. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint, et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur à Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsur, chef des peuplades issues d'une maison paternelle en Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leurs ruses dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Lecture du livre des Nombres,
chapitre 26. À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur à Aaron, « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. » Moïse et le sacrificateur Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent, « On fera le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Ruben, premier-né d'Israël, fils de Ruben, Hénoc, de qui descend la famille des Hénokites, Palu, de qui descend la famille des Paluites, Hetsron, de qui descend la famille des Hetsronites, Carmi, de qui descend la famille des Carmites. Ce sont là les familles des Rubénites. Ceux dont on fit le dénombrement furent 43 730. Fils de Palu, Eliab. Fils d'Eliab, Nemuel, Datan et Abiram. C'est ce Datan et cet Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Les fils de Corée ne moururent pas. Fils de Siméon, selon leur famille. De Nemuel descend la famille des Nemuélites. De Jamin, la famille des Jaminites. De Jaquin, la famille des Jaquinites. De Zérak, la famille des Zérachites. De Saül, la famille des Saülites. Ce sont là les familles des Siméonites, 22 200. Fils de Gad, selon leur famille. De Tsephon descend la famille des Tsephonites. De Agji, la famille des Agjites. De Shuni, la famille des Shunites. D'Ozni, la famille des Oznites. D'Eri, la famille des Érites. D'Arod, la famille des Arodites. D'Aroéli, la famille des Aroélites. Ce sont là les familles des fils de Gad, d'après leur dénombrement, 40 500. Fils de Juda, Er et Onan. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Voici les fils de Juda, selon leur famille. De Shéla descend la famille des Shélanites. De Péretz, la famille des Péretzites. De Zérak, la famille des Zérachites. Les fils de Péretz furent Hetsron, de qui descend la famille des Hetsronites. Amul, de qui descend la famille des Amulites. Ce sont là les familles de Juda d'après leur dénombrement, 76 500. Fils d'Issacar, selon leur famille. De Tola descend la famille des Tolaïtes. De Puva, la famille des Puvites. De Jashub, la famille des Jashubites. De Shimron, la famille des Shimronites. Ce sont là les familles d'Issacar d'après leur dénombrement, 64 300. Fils de Zabulon selon leur famille. De Séred descend la famille des Sardites. D'Élan, la famille des Élonites. De Jaleel, la famille des Jaéélites. Ce sont là les familles des Abulonites, d'après leur dénombrement, 60 500. Fils de Joseph, selon leur famille. Manassé et Éphraïm. Fils de Manassé. De Makir descend la famille des Makirites. Makir engendra Galaad.
De Galaad descend la famille des Galaadites. Voici les fils de Galaad, Jézer, de qui descend la famille des Jézérites, Élec, la famille des Élekites, Asriel, la famille des Asriélites, Sichem, la famille des Sichémites, Shemida, la famille des Shemidaites, Épher, la famille des Éphrites. Tselophshad, fils de Épher, n'eut point de fils, mais il eut des filles. Voici les noms des filles de Tselophshad: Mashla, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Ce sont là les familles de Manassé, d'après leur dénombrement, 52 700. Voici les fils d'Éphraïm selon leur famille. De Shutelak descend la famille des Shutalchites. De Béker, la famille des Bakrites. De Tachan, la famille des Tachanites. Voici les fils de Shutelak. D'Éran est descendue la famille des Éranites. Ce sont là les familles des fils d'Éphraïm, d'après leur dénombrement, 32 500. Ce sont là les fils de Joseph, selon leur famille. Fils de Benjamin, selon leur famille. De Béla descend la famille des Balites. D'Ashbel, la famille des Ashbélites. D'Ashiram, la famille des Ashiramites. De Shufam, la famille des Shufamites. De Hupham, la famille des Huphamites. Les fils de Béla furent Ard et Naaman. D'Ard descend la famille des Ardites. De Naaman, la famille des Naamanites. Ce sont là les fils de Benjamin, selon leur famille et d'après leur dénombrement, 45 600. Voici les fils de Dan, selon leur famille. De Shusham descend la famille des Shushamites. Ce sont là les familles de Dan, selon leur famille. Total pour les familles des Shushamites, d'après leur dénombrement, 64 400. Fils d'Azer, selon leur famille. De Jimna descend la famille des Jimnites. De Jishvi, la famille des Jishvites. De Beria, la famille des Beriites. Des fils de Beria descendent. De Héber, la famille des Hébrites. De Malkiel, la famille des Malkielites. Le nom de la fille d'Azer était Sérac. Ce sont là les familles des fils d'Azer, d'après leur dénombrement, 53 400. Fils de Nephtali, selon leur famille. De Jatsuel descend la famille des Jatsuelites. De Guni, la famille des Gunites. De Jetser, la famille des Jitsrites. De Shilem, la famille des Shilemites. Ce sont là les familles de Nephtali, selon leur famille, et d'après leur dénombrement, 45 400. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, 601 730. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété selon le nombre des noms. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande. Et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement. Mais le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en propriété selon les noms des tribus de leurs pères. C'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement selon leur famille. De Gershon descend la famille des Gershonites. De Kehath, la famille des Kehathites. De Merari, la famille des Merarites. Voici les familles de Lévi, la famille des Libnites, la famille des Hébronites, la famille des Mashlites, la famille des Mushites, la famille des Korites. Kehath engendra Amram. Le nom de la femme d'Amram était Jochébède, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amram, à Aaron, Moïse et Marie, leur sœur.
il naquit à Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ceux dont on fit le dénombrement, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 23 000. Ils ne furent pas compris dans le dénombrement des enfants d'Israël, parce qu'il ne leur fut point donné de possession au milieu des enfants d'Israël. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Éléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert du Sinaï. Car l'Éternel avait dit, « Ils mourront dans le désert, et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun. » Lecture du livre des Nombres, chapitre 27. Les filles de Tselophshad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Masla, Noah, Ogla, Milka et Tirtsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, « Notre père est mort dans le désert. » Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Les filles de Tselophshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, « Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Tsin. » Moïse parla à l'Éternel et dit, « Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. » L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute.
Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée, sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Lecture du livre des Nombres, chapitre 28. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, deux agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs, et pour l'offrande, un dixième d'épha de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation sera d'un quart de hin pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Le jour du sabbat, vous offrirez deux agneaux d'un an sans défaut, et pour l'offrande, deux dixièmes de fleurs de farine pétries à l'huile avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat, pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel deux jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux d'un an sans défaut. Et comme offrande pour chaque taureau, trois dixièmes de fleurs de farine pétries à l'huile. Comme offrande pour le bélier, deux dixièmes de fleurs de farine pétries à l'huile. Comme offrande pour chaque agneau, un dixième de fleurs de farine pétries à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Les libations seront d'un demi-hin de vin pour un taureau, d'un tiers de hin pour un bélier, et d'un quart de hin pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois, pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. On offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, deux jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétries à l'huile, 3/10 pour un taureau, 2/10 pour un bélier, et 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices, outre l'holocauste du matin, qui est un holocauste perpétuel.
Vous les offrirez chaque jour, pendant 7 jours, comme l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. On les offrira, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Le jour des prémices, où vous présenterez à l'Éternel une offrande, à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste, d'une agréable odeur à l'Éternel, 2 jeunes taureaux, 1 bélier et 7 agneaux d'un an. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3/10 pour chaque taureau, 2/10 pour le bélier et 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices, outre l'holocauste perpétuel et l'offrande. Vous aurez des agneaux sans défaut, et vous joindrez les libations. Lecture du livre des Nombres, chapitre 29. Le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Vous offrirez en holocauste, d'une agréable odeur à l'Éternel, 1 jeune taureau, 1 bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3/10 pour le taureau, 2/10 pour le bélier et 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices, outre l'holocauste et l'offrande de chaque mois, l'holocauste perpétuel et l'offrande, et les libations qui s'y joignent, d'après les règles établies. Ce sont des sacrifices consumés par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation et vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage. Vous offrirez en holocauste, d'une agréable odeur à l'Éternel, 1 jeune taureau, 1 bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3/10 pour le taureau, 2/10 pour le bélier, et 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre le sacrifice des expiations, l'holocauste perpétuel et l'offrande, et les libations ordinaires. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. 13 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3/10 pour chacun des 13 taureaux, 2/10 pour chacun des 2 béliers et 1/10 pour chacun des 14 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 2e jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et les libations. Le 3e jour, vous offrirez 11 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation.
Le quatrième jour, vous offrirez 10 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le cinquième jour, vous offrirez 9 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le sixième jour, vous offrirez 8 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et les libations. Le septième jour, vous offrirez 7 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le huitième jour, vous aurez une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, un taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour le taureau, le bélier et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Tel sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes, outre vos holocaustes, vos offrandes et vos libations, et vos sacrifices de prospérité en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire.